Ouais, bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, petit retour d'expérience, compte rendu sur cette paire de Rangers. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe, ce qui est positif et ce qui est négatif. Alors, ces Rangers, puisque c'est vendu sous le nom de Rangers, c'est des Rangers de la marque Miltech. Miltech Waterproof Ranger, c'est tout. Bon, ok, alors, ok, c'est bien waterproof, c'est bien étanche. C'est assez léger comme chaussure, ça monte moyen, c'est moyen, comme tige, c'est assez moyen. Et c'est assez étanche, et, jusqu'à présent, je ne les ai pas prises en défaut dans l'étanchéité. Enfin, ça fait 4 mois que je m'en sers. Vraiment, c'est pas ça qui a été mis en défaut. Ce qui est mis en défaut, c'est la qualité, la forme, la fabrique. Alors, la qualité, pourquoi? Parce que si c'est étanche, bien sûr, on se dit, tiens, la qualité, déjà, ça commence bien. Ben ouais, mais ok, c'est étanche, c'est souple, comme cuir, c'est assez souple. Mais c'est trop souple devant, là, ici, là, tout le devant du pied, là. Vous voyez, déjà, les lacets s'arrêtent là. Les lacets descendent pas assez bas pour tenir correctement l'avant du pied. Donc, quand tu as serré tes chaussures, là, quand tu as serré tout ça, quand tu as bien serré tes chaussures, au bout d'un moment, là, les bords se touchent. Les bords se touchent, on est d'accord. Donc tu peux pas serrer plus. Bon, alors même en prenant la bonne taille de chaussures, attention. Parce que moi j'ai choisi ma taille à chaque fois. Je prends pas des tailles en dessus ou en dessous. Alors ok, donc ça fait que ces chaussures, une fois qu'elles sont serrées jusqu'en haut, là, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu es très bien tenu, la cheville est très bien tenue, tout le haut du pied est très bien tenu, toute cette partie-là est très bien tenue. Par contre, là, toute cette partie-là, ici, là, à l'intérieur, tu as le pied qui fait comme ça, il se promène, il fait ce qu'il veut, il n'est pas tenu, il va de gauche à droite, il va devant en arrière, il n'est pas tenu. Ok. Alors, j'utilise là-dedans des semelles, j'ai viré les semelles merdiques d'origine, je mets des semelles qui s'appellent, c'est semelles de marque Magnum. Okay. C'est assez épais, c'est des semelles en EVA. Bon. Donc ces chaussures-là, pourquoi elles sont pas bonnes? Parce que pour marcher, pour faire de la vraie marche, ça va pas du tout. Ces chaussures, je m'en sers ici à la maison, autour de chez moi, là pour bricoler, pour bosser ici sur place et tout, mais je fais pas vraiment des grandes marches. La semaine dernière, j'ai fait 8 km avec. J'ai décidé de faire une marche, bon, j'ai fait 8 km avec ces chaussures. J'aurais mieux fait de prendre des chaussures de marche, parce que ça, pour la marche, c'est pas adapté du tout. Comme le pied, comme l'avant du pied ici n'est pas tenu, depuis là, depuis ici, tout ça là, le pied se promène dans la chaussure. Donc ça fait que quand tu marches, j'ai été obligé de faire de la route, j'ai fait 8 km sur la route. Alors sur la route, c'est pas complètement plat, sur le bord de la route, point de côté banquette, il y a un dévers, il y a un petit dévers comme ça, d'accord. Et bien, d'avoir marché là, au bord de la route, avec ce dévers, ça m'a détourné la cheville, si tu veux, je marchais comme ça, si on exagère, je marchais comme ça un peu, tu vois, en exagérant un peu, voilà. Donc ça fait que je me suis détourné la cheville, je me suis fait mal au pied, mon pauvre, mais un truc de connard. Le jour même, je m'en suis pas rendu compte, c'est le lendemain matin quand je me suis levé. J'avais toute l'arche du pied ici là, qui était comme si j'avais pris des coups de marteau. Ça m'a coincé la cheville. J'ai eu le pied gauche complètement destroy à cause de ça. Donc je suis resté 4 jours à boiter à cause de ces chaussures pourries. Donc si vous achetez ces chaussures là, ne vous aventurez pas à faire de la marche avec. Vous gardez ça pour rester bricoler à l'atelier, pour bricoler chez vous, pour faire rien d'intéressant, mais rien de marche, pas de la vraie marche à pied, quoi. Pour bricoler là, comme ça, à la baraque, mais pas pour faire de la marche, surtout pas. Bon alors, fatalement, oui, quand on achète 160 balles, on se dit pas qu'on a des chaussures qui peuvent être aussi performantes que des chaussures à 200 balles. Mais quand même, se faire foutre en l'air la cheville comme ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Puis des chaussures, j'en essaye plein. J'en ai plein, plein, toutes sortes de modèles. Voilà, donc là, les chaussures de chez, comment ça s'appelle, Miltech, Rangers Gore-Tex, ok, tu vois, c'est marché, la semelle est comme ça, bon, ordinaire, classique, voilà, le cuir est correct, mais la fois le cuir est très correct. Alors par contre, petit défaut que je leur reproche, là devant, voilà,
le fil qui est là, fatalement il se coupe beaucoup. Moi je me fous souvent à genoux, je me fous souvent comme ça, par terre à genoux ou quoi, et bien là devant c'est en train de morfler. Donc ça, méfiance selon les positions que vous prenez avec vos godasses. Autrement, ouais, dans les trucs positifs, bah, c'est léger, c'est chaud, ça tient étanche. Mais c'est tout. Voilà. Ça tient pas bien le pied, ça chausse trop grand. Même dans ta pointure, ça chausse trop grand. Le pied, je sais pas, faudrait avoir un pied drôlement foutu pour rentrer dans ces godasses-là. Faut avoir l'avant du pied très large. Sinon, si t'as un pied normal, eh ben, ton pied se promène dans ces chaussures. Donc voilà, je voulais vous faire ce compte-rendu sur ces chaussures-là. J'espère que vous allez faire attention maintenant quand vous prendrez des godasses, de ne pas prendre n'importe quoi. Bon voilà, portez-vous bien, faites attention à vous, continuez comme ça. À bientôt. Et puis merci de votre temps pour avoir regardé cette vidéo. Salut.